Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Tina. Mais lève-toi. Yo la famille, je fais quoi là? C'est Ramadan, c'est Ramadan, je mets une patate, tu vois, c'est pour Ramadan. Non, je me tirais. Ah, je t'ai tiré. Parce que des fois ça me dérange. Ah, pourquoi tu fais pas vous abonner? Aujourd'hui la famille, on a la chance de pouvoir partager le l'oftol avec Just Riyad et Michou. Non mais qu'est-ce que tu fais Michou? Non. Du coup c'est parti les gars. Je vais boire beaucoup d'eau et je pense que je vais manger un bol de céréales. Non 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 non. C'est parti les gars. En vrai c'est une dinguerie. Non non pourquoi ça va? Mais ouais mais Michou pourquoi tu prends des trésors au feu? T'es à 4h du matin, faut jamais prendre ça, t'auras soif toute la journée après. Il a pris des trésors. Le ramadan, c'est pas qu'une question de ne pas manger ou de ne pas boire. Le ramadan, c'est un mois spirituel. C'est un mois où tu dois aider les autres. Et c'est pas juste tu bois pas et tu manges pas. Faut pas que tu sois de dinguerie. Écoute ce qu'il dit là, écoute, il a pas tort. Faut aussi que tu fasses du bien, donc des bonnes actions. Okay. Donc il faut qu'on trouve ta bonne action du jour. Là, faut que je fasse une bonne action. Ouais, là. Là, en fait, il faut que tu trouves ta bonne action du jour. Ouais, une bonne action, c'est vrai ça. Bah vas-y, fais-la la bonne action toi alors. Moi? Ouais. Vas-y, je la fais. Go faire la bonne action. Dis Siri, appelle Marie-Christine. J'appelle Marie-Christine. Salut mon cousin chéri, ça va? Ça va. Ouais, ça va, je peux te parler là ou pas? Ouais, c'est pour te dire que t'as vu là, c'est le ramadan, on doit faire des bonnes actions, tout ça. Donc là, je dois faire ma bonne action, je vais la faire pour toi aujourd'hui. Ah bien. Au jour de l'Aïd, je m'engage à t'inviter au McDo. Ah ouais? Ouais, est-ce que t'es content? Je suis très content. Ok, bah voilà, je fais ma bonne action et en fait, je suis en train de faire une vidéo. Tu voulais passer un petit message ou pas? Que dire que je suis le meilleur cousin du monde? Ouais, c'est vrai que t'es pas mal, mais sauf que si tu mens, c'est ramadan. Non, je mens pas, vraiment, je t'invite au McDo et je filmerai même, Inch'Allah, c'est ma bonne action. Ah ouais? Ouais. T'es sûr? Ouais, je suis sûr, tu prendras ce que tu veux. Invité, ça veut dire prendre ce que tu veux? Oui, ce que tu veux, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Dans la limite du raisonnable, ça veut dire que je peux inviter quelqu'un, hein, mon ami? Non, j'ai dit toi, arrête de rendre fou. Oh là là. C'est déjà bien, ce merlé. Bon, ça a Tolek et voilà, ça sera ma bonne action au jour de là, tu t'offriras un McDo, c'est bon? C'est vrai, pas mal, bien. C'est calme. Je fais mes devoirs. Vas-y, bah vas-y, Salem. Attends. Ouais. Omar? Oui? Lundi l'école. Histoire du matin. Histoire géo français mathématiques. A few moments later. Ah, c'est ça qu'on met autour. J'ai cru que c'était l'emballage. Donc on commence avec une base de alors moi je fais ça autour. Pourquoi je fais ça? Pour que l'œuf il bouge pas. Il reste au milieu. Ah. Parce que c'est composé aussi d'œuf. Composé ouais. Aussi d'œuf. Voilà. Moi je sais pas casser les œufs comme ça déjà. On met pas de sel parce que les larmes. Ça c'est recette facile, hein, recette facile. Franchement ça c'est ça qui donne le goût. Voilà. Fermeture éclair. Ah ouais. Là, on met deux. Fini. Ah ouais. Donc là maman, il y a Riyad, c'est un youtubeur, sa mère elle a fait une recette, je vais te montrer et tu me dis ce que t'en penses. On a juste à mettre la feuille de brique, voilà, lui ce qu'il fait c'est que il met de la vache qui rit comme ça, hop, un peu partout. Ensuite, il prend un œuf. Il casse. C'est pas normal ça, non? T'as dit quoi? Il y a 4 personnes dans ce serveur de RP. Ensuite, il met du poivre. Et il finit par... C'est quoi ça? C'est la recette de Just Riyad et Michou. Ah. Il finit par mettre de la dinde comme ça. C'est sa mère qui lui a appris la technique. Pourquoi c'est une bonne recette? Par contre, le pliage, elle fait ça, regarde. Oui, c'est mieux. T'as jamais essayé? Non, c'est la première fois que je vois ça. Elle fait comme ça. Ah, y a Paris qui joue? Bah ouais, contre Lens. Eh, ce soir, t'auras pas besoin de moi ce soir à 21h. Comme tu veux. Il est en train de filmer. Non, mais après 21h. Comme tu veux, frère. Parce qu'il me demande si je peux commencer le RP après le tour à 21h. Ouais, vas-y, on fait le tour ensemble. Voilà, c'est ça la recette. Vas-y, je crois que je vais commencer. Et après, faut cuire. Ouais, faut goûter. On va tester. Ouais. On va tester Riyad. Mais là, elles sont toutes pareilles. Comment tu vas savoir que c'est celle de Just Riyad là? Ah ouais, parce que ma mère, elle en a fait. Là, c'est sa propre recette. Ça, c'est des tacos arabes. Moi, je l'appelle comme ça. Donc, sur le dessus, faut qu'on mette un truc. Maman, j'ai pas. Marc 9-3. Avec quoi, on marque? Non, Marc Riyad. Ouais, vas-y. R. Ah, ça se voit. Ah ouais, là, ça se voit. Bah, regarde, c'est pas la même. Ah ouais, j'avoue. Ah ouais, je l'ai détruit, Kiri. Bon, je me suis lavé les mains, mais vas-y. Michou, non, il a oublié. Qu'est-ce que tu fais? Merde. Mais sale taré, vous êtes des tarés, vous deux, vous avez goûté, bande d'os gay.
Ah, je suis mort. Mais qu'est-ce que... Mais non, mais moi, je peux pas parler maintenant, je suis malade, Younes. Ah oui. D'ailleurs, ceux qui savent pas, ceux qui sont malades et qui ont des... Comment on dit ça? Des maladies. Non, pas des maladies, des... En gros, des trucs qui font qu'ils peuvent pas jeûner, il faut pas jeûner. C'est, ouais, pas c'est bon. Interdit. Moi, j'ai des problèmes de digestion, les frères, ceux qui savent, vous savez. Eh, Michou, il m'a tué, il a oublié qu'il faisait le ramadan. Parce que ça m'est arrivé l'année dernière. Je parlais avec ma famille et j'ai bu de l'eau sans faire exprès. Je fais non. Allez, Michou et Just Riyad, on va tester l'œuf-tôle de Tata, la Tata, la maman à Just Riyad. Moi, dès que je vois des mamans, je les appelle Tata personnellement. Et toi? Toi, madame, de lui, madame. Madame. Tata, c'est mieux, Tata, ça fait mieux. Madame. Let's go. Hada ou les vitamines? Pour la bonne santé. T'as vu d'ailleurs, en ce moment, Michou, il joue aux cartes Pokémon. Ouais! Les cartes Pokémon, c'est redevenu à la mode. Nous, en primaire, c'était le feu. On avait des trucs comme ça de cartes Pokémon. Rappelle le jeu où tu lançais et celui qui allait le plus loin gagnait la carte. Il y avait un mec qui s'appelait Nordin. Il gagnait tout le temps, il nous gagnait. Il m'énervait parce que quand on jouait contre lui et qu'il jouait des énergies, on gagnait les énergies. Mais quand c'était des Pokémon rares, il gagnait tout le temps. Ça veut dire, avant, on avait des Dracaufeu, ils coûtaient 10 000 euros et nous, comme des cons, on les jetait. Tu sais que là, si t'as une bête de carte et si elle abîmait, elle perd de sa valeur. Ouais, c'est vrai. C'est un truc de malade. Bon, la salade. Ça, c'est magnifique, j'en mange tous les jours. Et Just Riyad. Un bousillé du cerveau à manger ça. Je suis pas bousillé. C'est vous êtes bousillé, frère. C'est ça les vitamines. C'est un bousillé du cerveau à manger des trucs comme ça. Si tu veux être en bonne santé, t'es une vache. T'es une vache. Non, si tu veux être en bonne santé. Mais si tu veux être en bonne santé. T'es pas un cheval, t'es pas un cheval. Vas-y, abandonne, frère. Avec des gens comme ça, vous connaissez que. Non, mais t'es pas un cheval. Non. Ça va, alors. C'est pas un cheval. Ça, tu m'as dit, Younes, tu devrais manger des œufs. Lui, il a fait des œufs dans sa salade, mais moi, je les ai fait en omelette. Et tu rajoutes du ketchup comme ça. C'est quoi ça? C'est des œufs agrémentés de tranches de jambon, agrémentés de. Que du blanc d'œuf. Non, il y a un œuf normal et du blanc. Et t'as fait quoi avec les autres jeux? Tu les as jetés à la poubelle? Non, j'ai du blanc d'œuf déjà fait dans une bouteille. Ah ouais, c'est vrai que t'es un peu. Ça, il est un peu spécial lui. Non, ça, je vais goûter pour la première fois. Maman m'a fait des aubergines. D'ailleurs, maman, faut qu'elle se lance sur YouTube là. Elle fasse une chaîne de cuisine. Des aubergines, galé. Oula, vous savez pas manger, vous. Et c'est un bousillé du cerveau. Je veux pas bousiller, frère. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais c'était un bousillé du cerveau. C'est trop bon, il y a trop de vitamines, tu te sens bien, c'est l'air. Tu vois les saveurs, c'est trop bon, voilà, c'est trop bon, incroyable. Donc maintenant on va tester, c'est ça que moi je voulais voir. Maman elle a dit ça c'est bizarre de mettre du vache qui rit et tout. Ça c'est celle de Just Riyad, c'est celle de maman, je vais tester les deux. Par contre si tu fais gaffe, si tu dis que celle de Just Riyad elles sont meilleures que celle de maman, maman elle va t'éclater que c'est claqué dans le bois. Maman je vais dire la vérité maman, c'est me l'est. Just Riyad. Oh le gars maman. Non, Tata, la maman de Sriad, franchement, maman, attends, je vais goûter celle de maman, elle est incroyable, celle de maman, elle est agrémentée de poulet et de emmental. Elle est là. Ouh, maman aussi. En vrai. Égalité, je parie, va dire. Non, en vrai. Il n'y a pas de jaloux. Maman, tu penses avoir regardé la vidéo? Bah oui. En vrai, maman. C'est celle-là la meilleure. Maman, c'est celle-là la meilleure. Mais celle de Just Riyad. Désolé, Tata, je suis obligé de dire maman. C'est celle de Just Riyad, elle est trop trop bonne. Et on va finir par le dessert. Alors là, tu vas casser ta plus grosse barre de rire. Maman, hier, elle me dit quoi? Elle me dit, Younes, je me sens pas bien. Tu peux me dire c'est quoi du sucre? Tu peux me donner des aliments avec du sucre? Je dis, maman, des fruits. Elle me dit, mais du sucre! Du sucre. C'est ça, on est d'accord, c'est ça du sucre naturel. Dans les fruits, il y a du sucre, ouais. Voilà, Ada où est le sucre? Et elle me dit non, elle attendait que je lui dise maman va manger des chocolat. Va manger des cookies et du chocolat. Donc maman, ça c'est du sucre, des fraises et des pastèques. Et si tu veux, tu rajoutes du sucre zéro calorie comme ça, tu parsèmes. Tu vois? Du sucre zéro calorie? Ouais, c'est une plante. T'es bousillé du cerveau toi. Vas-y, rentre chez toi, frère. Tu vas voir, à la fin du ramadan, je vais vous montrer mes abdos de malade là. Tu vois, tu mets ça sur la fraise, c'est là. T'arrives à dormir la nuit? C'est-à-dire. J'arrive plus. Ah, c'est normal. Je mange trop. C'est un bousillier du cerveau. Tu sais, je mange trop, mais c'est le ramadan, frère, on mange pas toute la journée, tu veux que je te dise quoi? Bon, en tout cas, j'ai kiffé faire ce ftol avec Yacine. Franchement, t'en penses quoi de leur ftol à Riyad et Michou? C'est un ftol, franchement, bah, j'ai envie de dire un peu classique, non? C'est des feuilles de briques, des trucs,
Et non, ça après, mais c'est bien Michou ce qu'il a fait quand même. Le bousiller du cerveau là. C'est bien ce qu'il a fait Michou le jeune en vrai. Ouais, non, en fait, le jeûne, tout le monde peut le faire, les gars. C'est pas que les musulmans. Vous savez qu'en plus, le jeûne, ça a des biens thérapeutiques pour certaines maladies et tout, tu vois. Donc ça peut être bien pour ceux qui veulent tester. Qu'ils ont des grosses maladies, des cancers et tout. Il y a des médecins, ils leur disent de jeûner. Parce que tu sais pourquoi ouais. Le jeûne, en gros, ça. Vu que ton corps est jeûne, ça empêche les cellules cancéreuses de se développer rapidement. Et à ce qui paraît, ça nettoie l'estomac et tout. Ouais. C'est vrai ça. Je sais pas. Bon, on va vous laisser aller, Khay. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Et puis, je te laisse le mot de la fin. Et abonnez-vous, par contre, parce qu'on a regardé les statistiques de la chaîne. La plupart de ceux qui regardent les vidéos, c'est ceux qui ne sont pas abonnés. Donc, un petit message, Younes. Abonnez-vous. Bisous. Ciao, les gars.